Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir, ce vendredi 10 septembre. Je suis désolée, j'ai 5 petites minutes de retard. Donc comme d'habitude, je vous laisse me faire un retour pour me dire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Logiquement, ça devrait être bon. Bientôt, vous n'allez sans doute plus beaucoup me voir parce que la luminosité va baisser sensiblement. On va voir comment on arrive à s'en sortir ce soir parce que j'ai pas sorti ma lumière. Donc on verra. Alors, ok, super. Bon, bah déjà, je suis très contente de vous retrouver. Je suis désolée, je pense que ma voix doit être un petit peu différente de d'habitude. C'est parce que je suis malade. Donc, si je dois de temps en temps peut-être vous remettre en attente, c'est uniquement parce que je vais devoir sans doute aller me moucher à certains moments du live. Et comme j'ai quand même pas mal mal à la gorge, on va essayer de rester sur 1h30 maximum pour ce temps du texte et de pas aller aux 2h. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir 2h
avec la voix et avec l'énergie également. Voilà. Donc, je suis désolée pour ces petits désagréments. Je vais essayer de pas du tout me moucher et surtout, je vais essayer de ne pas renifler parce que ça, c'est quelque chose que je déteste en plus comme bruit. Et je suis également désolée pour les multiples décalages de ce live qui aurait dû avoir lieu déjà il y a une semaine et qui aurait dû avoir lieu hier et qui en fait n'a pas eu lieu hier. Bref, on va pas refaire le film, mais je suis désolée pour ces petits imprévus. Voilà. Alors, comme vous le voyez sans doute avec le titre, on va parler d'une poète, d'une écrivaine, d'une scientifique, d'une femme de lettres et d'une femme d'esprit, tout simplement, j'ai envie de dire ce soir, dont on avait déjà un petit peu parlé si vous avez suivi le club de lecture. Catherine Pozzi avait été au programme de mon club de lecture avec un recueil qui est celui-ci, qui est le recueil publié aux éditions Gallimard, Très haut amour, poèmes et autres textes, qui est, je le dis immédiatement en préface entre guillemets de ce live, une très bonne porte d'entrée, il me semble, à l'œuvre de Catherine Pozzi. Mais par très bonne porte d'entrée, ça ne, je n'entends pas et je ne veux pas dire facile, parce que l'œuvre de Catherine Pozzi n'est pas vraiment aisée. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Mais vous avez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord. Donc pour commencer, est-ce qu'il y en a certains et certaines sur le live qui ont déjà lu Catherine Pozzi? Peut-être à l'occasion du club de lecture, ou qui l'avaient lu, ou qui l'ont lu de manière totalement différente ou indépendante. Ou est-ce que c'est une grande première, entre guillemets, pour la plupart d'entre vous sur le live? Bonsoir Anna, bonsoir Saphir Cléo. Bonsoir à toutes et à tous, bien évidemment. Même si je ne mentionne pas vos noms, je vous vois et je suis très contente de vous retrouver. C'est très gentil d'être là ce soir. Je sais qu'en plus le vendredi, c'est un peu le jour de sortie. Donc, non du tout, jamais, j'en ai jamais entendu parler. Ok, découverte pour ma part. Quelques bribouilles, mais pas dans le détail. Ok. Jamais, ok. En fait, c'est pas surprenant. Catherine Pozzi, c'est un petit peu, si vous voulez, le bingo gagnant, j'ai envie de dire, de l'invisibilisation. Premièrement, c'est une femme. Deuxièmement, c'est une femme qui a très peu publié de son vivant, et ce, parce qu'elle le désirait. Sachant qu'on peut quand même se poser la question de pourquoi ce désir, etc. Bref, ce sont des questions très intéressantes qui se posent. Ensuite, c'est une femme qui a une œuvre très très hybride, très particulière et qui, à mon sens, est quelque chose qui, à l'heure actuelle, lui permet peut-être de regagner un petit peu en visibilité et en source d'intérêt, mais qui, à l'époque, était peut-être moins favorable. Et enfin, et pas des moindres, c'est une femme qui a été éclipsée par une figure masculine qui est beaucoup plus connue et qu'elle a fréquentée de très très près, qui est Paul Valéry. Donc si vous voulez, elle a un petit peu tous les désavantages entre guillemets qu'on peut avoir quand on écrit et que on espère peut-être traverser les âges avec ses écrits. Saphir Cléo, non mais en même temps c'est normal aussi, je pense que avec les femmes en tout cas, c'est souvent des premières fois. Et les femmes que j'ai choisies pour ces temps du texte, à part effectivement Colette par exemple et puis George Sand, ce sont des femmes qui sont quand même moins mises en lumière. Voilà, donc c'est aussi un petit peu normal, j'ai envie de dire, même si. Effectivement, Catherine Pozzi, elle soulève aussi la question intéressante de ce que c'est que d'être vraiment connue ou reconnue, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, elle est publiée chez Gallimard,
qui est quand même un petit peu une référence en poésie, hein, et pas qu'un petit peu. Et en même temps, son nom est quand même assez peu connu. Voilà. Oui, tout à fait, les courbes gracile, il y a un côté très mallarméen. En fait, il y a énormément de choses, effectivement, dans les textes de Catherine Pozzi. C'est pour ça que c'est. Moi, je trouve que c'est une écriture très particulière, assez complexe, et j'ai beaucoup hésité avant de faire ce live, parce que déjà, j'ai peu lu, entre guillemets, de Catherine Pozzi, et puis parce que c'est vraiment des textes très hermétiques pour certains. Il y a énormément de références. Alors des références philosophiques, des références littéraires, des références historiques, il y a aussi de nombreuses références un peu plus scientifiques au sens de la physique, des mathématiques. C'est assez codé également. Et donc c'est vraiment des textes qui nécessitent un petit peu d'être étudiés et approfondis. Catherine Pozzi, si là je prends son recueil que je feuillette et que je tombe au hasard entre guillemets sur un poème, je serais bien en mal de vous faire une analyse vraiment, alors exhaustive c'est impossible, mais vraiment complète quoi. Salut Farid, il n'y a pas de souci pour le retard. Donc Catherine Pozzi, déjà, vous avez pu voir son visage là sur la miniature, je pense, du live, mais je sens déjà la tentation de renifler, je sais pas si. Mais on va aussi regarder d'autres images d'elle. Il y a une image que je trouve très belle d'elle, et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que son image est très évocatrice et elle me fait penser à énormément de. Enfin, énormément peut-être pas, mais elle me fait penser à plusieurs autres autrices. Donc ça, c'est une image. Une photographie de Catherine Pozzi. Salut Dragoon Culture, aucun problème pour le retard aussi, bien évidemment. Alors Fanny, on va en parler justement. Je pense que. Oh, Raled, on est bien. J'adore ton commentaire. Il est parfait. Très beau commentaire. Est-ce qu'elle se rattacherait plutôt au symbolisme? Elle a des liens effectivement qui me semblent assez présents avec le symbolisme, mais pas que. Et vous allez voir que en fonction des textes, il y a vraiment des Catherine Pozzi différentes, j'ai envie de dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle me fait penser à René Vivien, elle me fait penser à Virginia Woolf. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose de très. Elle me fait penser à Marguerite Duras quand elle était jeune aussi un petit peu. Il y a quelque chose quand même de très fort aussi dans juste dans ce qu'elle est physiquement. Et une autre photo qui cette fois-ci illustre un pan quand même important de la réflexion sur Catherine Pozzi, sur la création de Catherine Pozzi, sur la vie de Catherine Pozzi, c'est cette photo. Elle fait aussi penser un petit peu à Anna Armatova, je trouve. Sur cette photo, en fait, vous pouvez voir Catherine Pozzi, bien évidemment, à gauche, et puis à droite, il y a Paul Valéry. Paul Valéry, qui est d'ailleurs celui un petit peu grâce à qui j'ai quand même eu le CAFEP, donc bon. Et donc Paul Valéry qui l'a fait le visage, le buste, entre guillemets, de Catherine Pozzi. Alors ça c'est vraiment quelque chose dont on pourra parler, et puis que j'espère si vous avez envie voilà, de découvrir un petit peu plus Catherine Pozzi, vous tomberez forcément dessus en fait en faisant quelques recherches suite au live. Mais Paul Valéry a beaucoup représenté Catherine Pozzi, notamment via des dessins, et il en a aussi beaucoup parlé dans ses journaux à lui, dans ses textes à lui, et il s'est quand même majoritairement concentré sur le corps de Catherine Pozzi, l'apparence de Catherine Pozzi, alors que on le verra, et j'ai choisi un texte qui l'illustre parfaitement, Catherine Pozzi rêvait bien d'autres choses. Voilà, donc ça c'était un petit peu quand même pour contextualiser, pour se la représenter. Personnellement, j'aime beaucoup savoir à quoi ressemblent quand même les personnes dont on va parler. Je trouve que c'est toujours plus vivant ainsi de parler de la littérature. Mais ce que je peux vous dire également quand même, qui est important, c'est que Catherine Pozzi, elle est née en 1882
qu'elle est morte en 1934 et qu'elle a vécu toute sa vie à Paris. Alors, quand je dis qu'elle a vécu toute sa vie à Paris, hein, elle n'est pas restée non plus à Paris. Elle est née à Paris, elle est morte à Paris, mais elle a aussi été fréquemment dans le sud de la France, notamment lorsqu'elle avait de grosses crises de maladie, étant donné que Catherine Pozzi, en 1912, contracte la tuberculose, qu'elle va bien évidemment, enfin, qu'elle va bien évidemment, dont elle va souffrir pendant encore 22 ans jusqu'à sa mort, en 1934. Voilà. On dirait une Vita Sackville-Ouest dépeinte par Modigliani. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il y a vraiment. Elle fait. C'est bizarre, hein, comme ça, de pouvoir évoquer autant de personnes. Et donc, Catherine Pozzi, elle naît dans une famille aristocratique, dans une famille très bourgeoise, très aisée. Son père était docteur chirurgien et c'est un petit peu le fondateur de la gynécologie moderne telle qu'on la connaît. Sa famille recevait énormément de personnes, tenait entre guillemets des salons, si on. Oui, je pense qu'on peut quand même parler de salon. Et donc, elle a été très tôt entourée de personnalités de la médecine, des sciences, mais aussi des lettres, du monde intellectuel. Alors, même si elle a évolué dans un milieu extrêmement privilégié, elle n'a pas pour autant été très éduquée. Sa famille était relativement traditionnelle, notamment au niveau de sa mère, et elle n'a pas pu suivre d'études, elle avait quand même des précepteurs et elle était quand même au contact bien évidemment de personnes qui étaient des intellectuels, donc ça joue beaucoup. Mais la plupart de ses connaissances, parce que c'était une personne extrêmement érudite, ont été le fruit de recherches en autodidacte. Et quelque chose qui est quand même assez intéressant, enfin, et puis qui montre bien la persévérance et le goût du savoir de Catherine Pozzi, c'est qu'elle a passé son bac en 1919, alors qu'elle était donc déjà malade, et qu'elle avait environ, du coup, en tout cas, elle avait plus de 30 ans. Voilà, c'est pour vous montrer un peu la persévérance de cette femme, le goût du savoir, et l'indépendance, et puis aussi quand même la liberté. Voilà, de pouvoir suivre ses choix et de les mener à bien. Elle a mal. Alors, ce qui est d'autant plus. Ce qui, en tout cas, ce qui, je pense, révèle encore plus ou rend encore plus peut-être amer le fait qu'on la connaisse si peu, c'est que elle a échangé avec des personnes qui, elles, sont bien plus connues. Elle était très proche de Rilke, qui lui est très connu. D'ailleurs, la correspondance entre Pozzi et Rilke est publiée. Elle a été aussi proche de Colette. Je vais tousser, je suis désolée. Elle était proche d'Anna de Noailles. Je ne sais jamais vous la connaissez. Et bien évidemment, de Paul Valéry. Alors, à ce sujet, parce qu'on va en parler un petit peu là quand même, mais je vous recommande vraiment une émission de France Culture qui a été faite à ce sujet sur la muséification, entre guillemets, de Catherine Pozzi par Valéry et toutes les complexités de leur relation, étant donné que Valéry était marié, Valéry avait des enfants, il avait donc une relation extra-conjugale avec Catherine Pozzi et Catherine Pozzi, c'est une relation qui a duré 8 ans ou 7 ans, et Catherine Pozzi était infiniment amoureuse de Paul Valéry et elle a une vision de l'amour qui est très idéale et idéaliste. Et on verra que c'est quelque chose qui, bien évidemment, n'a pas survécu. Alors, je dis bien évidemment, peut-être parce que je suis désabusée, mais qui, en tout cas, n'a pas survécu à la réalité et qui a été une source aussi de souffrance. Pour Catherine Pozzi, une source d'invisibilisation et même plus. Et c'est d'ailleurs avec ces textes qu'on va commencer. Alors Catherine Pozzi, elle est surtout connue pour sa poésie et notamment pour 6 poèmes qui ont été publiés à titre posthume. Le seul poème qui a été publié
du vivant de Catherine Pozzi, et je le dis, je l'ai dit au début du live, mais je le répète au cas où, c'était une volonté de Catherine Pozzi. Le seul poème qui a été publié du vivant de Catherine Pozzi, c'est l'un de ses 6 poèmes, un poème qui s'appelle Ave. Donc ces 6 poèmes sont des poèmes qui ont été publiés dans Mesure, qui était une revue. Il y a Ave, Valet, Scopolamine, Nova, Maya et Nyx. Voilà les 6 poèmes, au nom qui sont déjà, il me semble, tout un programme. Donc Ave, bien évidemment, une forme de salutation. Valet, une sorte de... Alors, d'au revoir, ou en tout cas un mouvement qui congédie. Scopolamine, qui était un médicament calmant que prenait beaucoup Catherine Pozzi pour sa maladie. Nova, qui renvoie à un élan vers l'avant. Maya, qui fait bien référence à la civilisation Maya, parce qu'une fois, Catherine Pozzi, en se regardant dans un miroir, a été frappée d'une ressemblance qu'elle a trouvée entre son reflet et une déesse Maya. Voilà. Et le dernier poème, Nyx, qui fait référence bien évidemment à la déesse de la nuit. Voilà. Donc c'est pour ces textes-là qu'elle est principalement connue, mais en fait, elle a aussi écrit des articles scientifiques qui ont été publiés dans le Figaro. Elle a écrit un traité philosophique, philosophique, artistique, métaphysique, personnel, très particulier, qui s'appelle Peau d'âme, dont on verra des extraits. Elle a aussi publié une nouvelle de son vivant, cette fois-ci, autobiographique, qui s'intitule Agnès, et qui a été mise à disposition par la BNF, et c'est d'ailleurs ça qui a motivé, entre autres choses, ce temps du texte. Et elle est connue parce qu'elle a tenu un journal de ses 10 ans jusqu'à sa mort. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, tenir un journal de ses 10 ans jusqu'à sa mort. Elle nous donne en fait 3 journaux, un journal d'enfance, un journal de jeunesse et puis un journal entre guillemets d'adulte. Ce sont plus de 40 carnets, il me semble, qui ont été, alors je ne crois pas intégralement, hein, mais qui ont été publiés et qu'on peut trouver aux éditions Libretto, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans lesquels justement elle parle de son rapport à l'écriture, elle parle de son rapport à la publication et elle parle de Paul Valéry. Et c'est ce dont on va parler. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà avec une brève présentation comme ça, ce qui se dégage quand même de la personne de Catherine Pozzi, c'est une grande érudition, une grande persévérance quand même, une sorte de loyauté et, alors j'avais envie de dire, de rigueur et de discipline, mais je ne sais pas si ces termes sont vraiment appropriés, je trouve que persévérance est quand même plus approprié. Et puis, un caractère très hybride, une forme de modernité en fait, vraiment. Alors, on va commencer avec les textes et on va commencer avec des extraits de son journal. Parce que je pense que c'était important quand même de mentionner ça, mais je n'avais pas envie de finir le temps du texte sur ça. J'avais envie qu'on parle, qu'on commence, enfin, qu'on aborde ce sujet important quand même de son rapport avec Valéry et de la question du plagiat, la question de la reconnaissance en tant qu'égale, la reconnaissance en tant qu'autrice, en tant que créatrice, mais j'avais aussi envie qu'on finisse le live en se penchant sur les textes et les créations justement de Catherine Pozzi. Oh, j'ai envie de me moucher. Alors, hop, je deviens toute petite en haut, comme ça vous n'avez plus à subir cette qualité affreuse de ma webcam. Et là, normalement, vous devriez voir le texte, je pense.
Est-ce que c'est bon pour vous de votre côté? Normalement, ça devrait l'être. Lorenzaccio, oui, c'est normal, on va le monter. Si je vous le mets en entier, en fait, sur la hauteur, il devient trop petit sur la largeur. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ok. Alors c'est parti. Il est entré, il m'a dit un matin, cette idée de l'univers me court, faisant allusion à sa préface dont je venais de parcourir les feuilles. Je réponds doucement. Il me semble que vous avez déjà lu quelque part ce que vous avez écrit là, à l'instant. Il dit, vous? Il parle d'autre chose, il sort, c'était il y a 10 jours. Il savait qu'il commettait une ignominie, mais il le savait sans en discourir avec lui-même, et donc ne le savait pas. J'ai fini très vite par lui dire que ce qu'il faisait était mal, il s'est tu, et puis m'a offert de déchirer ce qu'il avait écrit. Mais aujourd'hui, je traverse sa chambre. Il y a des pages sur la table. Je les prends devant moi, je les lis. C'est la première fois qu'il fait un mouvement pour m'enlever des mains ce à quoi il travaille. Et ce mouvement m'a plus instruite que les idées reproduites de mes pages. Quand il a lu le De Libertate, le manuscrit de 1915, de 5 années avant que je ne sache qu'il y avait un Paul Valéry, il ne m'a même pas dit que cela valait quelque chose, y penser, le laisser devenir, et c'est assez bon pour être son meilleur. Je ne crois pas que j'ai tellement mal du vol, de l'espèce de fraude. J'ai mal de la pauvreté en bien de mon ami. Alors, cette entrée du journal de Christine Pozzi, c'est une entrée qui date de... Attendez, parce qu'il y en a une deuxième et je veux qu'on la lise après. C'est une entrée qui date d'avril 1927. Oui, d'avril 1927. Alors, De Libertate, en fait, c'était le premier nom de l'essai dont je vous ai parlé en introduction, qu'elle a fini par appeler Podame. Un essai vraiment très, très étrange, dont je n'ai lu que des extraits qui sont dans cette édition. Catherine Pozzi, Très haut amour. Et en fait, là, on comprend très clairement, et ce n'est pas la seule occurrence, et il y a d'autres. En tout cas, il y a eu d'autres actions de la part de Valérie qui étaient quand même pas ultra honorables. On comprend qu'en fait, Paul Valéry a puisé en fait dans l'esprit de Catherine Pozzi, dans les écrits de Catherine Pozzi, comme dans une source d'inspiration, en fait. C'est-à-dire que les biographes s'accordent, en tout cas pour dire qu'il n'y a pas eu un plagiat total, par exemple, d'une œuvre qui aurait été reprise, remaniée et qui aurait été publiée. Mais il apparaît clairement que Valéry a toujours considéré que Catherine Pozzi était une femme, qu'il lui manquait quelque chose. Et ça, Paul Valéry le dit à plusieurs reprises dans les écrits, enfin le dit, l'écrit en tout cas à plusieurs reprises lorsqu'il décrit ou réfléchit voilà, sur Catherine Pozzi, qu'il manque quelque chose à Catherine Pozzi, qu'elle est trop perturbée ou trop sensible ou qu'elle est trop femme, plus ou moins, hein, pour pouvoir vraiment mener à bout ou à bien ce projet. Et puis, ce qu'elle nous dit là, en fait, dans le texte, c'est que lorsque Catherine Pozzi présente son travail, ses écrits à Valérie, Valérie à aucun moment ne va l'encourager, ne va lui donner de conseils, ne va lui dire réellement ce qu'il pense de ses textes. Et il va un petit peu se réfugier derrière, et c'est surtout ce derrière quoi pas mal de biographes de Valérie se réfugieront, ils vont se réfugier derrière apparemment l'harmonie, l'osmose de ces deux esprits, l'esprit de Catherine Pozzi et l'esprit de Paul Valéry, qui étaient quand même extrêmement proches, pour justifier de certaines proximités entre les textes ou entre les concepts. Sauf que,
avec un esprit un minimum conscient et un minimum honnête. Et en lisant les journaux de Catherine Pozzi, en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'elle présente un texte, et notamment au tout début, souvenez-vous quand même que c'est une femme qui n'a pas été publiée ou très peu de son vivant, c'est une femme qui a passé le bac quand elle avait plus de 30 ans, c'est une femme qui avait été découragée quand même par une partie de sa famille au niveau de son éducation, c'est une femme qui est malade, etc. C'est une femme qui doit s'éloigner de Paris à plusieurs reprises justement à cause de sa maladie, tandis que Valérie, lui, c'est un homme qui à ce moment-là est très en vue et surtout travaille à sa gloire. Alors, c'est pas une critique, hein, enfin un peu, hein, voilà, c'est juste factuellement, il travaille justement à sa gloire, notamment au niveau de l'académie, etc. Et donc, quand Catherine Pozzi, qui reconnaît, vous allez voir comme elle parle de Valérie, ça, c'est encore plus éclairant, entre guillemets, sur les dynamiques de pouvoir, j'ai envie de dire, dans un sens, ou sur l'emprise qu'il a pu avoir à un moment donné, quand Catherine Pozzi présente à cet homme qu'elle aime, cet être, cet autre, elle, entre guillemets, cet esprit ami, etc., ses textes, et que lui ne daigne pas l'encourager ou lui donner de critiques positives ou de retours positifs, en fait, Catherine Pozzi est totalement découragée. Et de l'autre côté, Valérie, lui, par contre, se nourrit de ces idées-là. Ça, c'est pour Peau-d'âme. Catherine Pozzi a si peur d'ailleurs pour Peau-d'âme qu'elle va laisser des instructions extrêmement claires pour la publication à titre posthume, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, elle sent qu'elle vieillit, elle sent qu'elle faiblit, elle se dit qu'elle manque de temps pour finir ce livre, cet essai important pour elle, et elle va laisser des notes très précises, notamment à son fils, pour la publication de Peau-d'âme. Le deuxième texte, c'est un deuxième extrait, toujours du journal. Et vous allez voir, c'est encore plus explicite. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être quand même que j'allume un petit peu la lumière. Allumerai-je pas? Est-ce que ça vous dérange que ce soit si sombre? Moi, ça commence un petit peu à me faire mal aux yeux, j'ai l'impression quand même. Sauf que je suis pas sûre de pouvoir vraiment. Allumer. Attendez 30 secondes. Ok, pour moi c'est un tout petit peu plus agréable quand même. Pour vous c'est toujours aussi bizarrement sombre. Mais j'avoue que moi ça commençait à faire un petit peu trop noir. Là je me sens un petit peu mieux quand même. Ok, super. Ok, c'est bon. On est reparti. Alors, dans ce deuxième extrait, vous allez voir, c'est encore plus frappant, comme je vous l'ai dit. Elle parle d'Agnès, qui est donc la nouvelle autobiographique que vous pouvez lire gratuitement sur la BNF. J'ai décidé brusquement de la publier pour avoir lu sur un cahier de Valérie une version arrangée de mon travail qu'il allait publier un jour, comme je vis imprimée dans Eureka, des pages de mes pages, ou Rimbe, je ne sais pas trop comment ça se prononce, des passages. Je ne l'aurais jamais publié si je n'avais trouvé dans un des derniers cahiers de Valérie, cahier de 1926, un projet d'Agnès en décalque. Alors je l'ai donné à Marie, afin du moins que le mien paraisse, soit à moi.
Je ne sais pas quand même si on peut se rendre compte de la forme de violence que c'est d'avoir cet être, cet homme que l'on aime, cet homme qui est aussi un homme avec lequel on échange, avec lequel on réfléchit, un homme qui est un partenaire amoureux mais aussi intellectuel, et de devoir s'en méfier de cette façon-là. Et ce qui est, je trouve, le plus douloureux, entre guillemets, c'est que quand on lit les journaux de Pozzi, dont je n'ai pu lire que des extraits, mais je vous avoue que j'ai très envie de me les procurer pour les lire parce que j'ai de plus en plus envie de lire des journaux d'écrivains et d'écrivaines. Surtout d'écrivaines, je dois l'avouer. On se rend compte en fait qu'il y a une forme enfin, c'est très insidieux la manière dont ça se fait. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais en fait de. En tout cas. Catherine Pozzi ne partage jamais de moment où Valérie lui dirait frontalement tu n'as pas à écrire de toute façon tu ne vaux rien, de toute façon ce sont mes idées. Non, c'est jamais fait comme ça en fait. C'est jamais fait de sorte à ce qu'on puisse se dire cet homme est absolument horrible, je m'en détache, il m'a volé ceci ou cela. C'est vraiment très très différent. Et elle va même mentionner des épisodes où Valérie lui dit écoute, si vraiment j'ai repris tes idées à ce point, donne-moi un chiffre et je paierai. Il y a une forme en fait de, vous voyez ce que je veux dire, dans cette non-agression presque frontale, il y a aussi une non-reconnaissance du vol presque, de l'usurpation. Il y a quelque chose de très très douloureux qui se joue là. Alors, est-ce qu'elle lui a pas reproché? Ben, en fait, dans le premier passage, justement, dans le premier extrait du journal, on voit qu'elle le lui reproche. Mais enfin, encore une fois, en tout cas, dans ce qu'elle nous relate, qui n'est bien évidemment aussi que sa vision, on voit qu'il y a un évitement de la part de Valérie. Il n'y a pas vraiment de dialogue qui semble s'instaurer. C'est quand même l'un des éléments principaux, ou l'une des raisons principales de leur rupture, sachant que c'est Catherine Pozzi qui mettra un terme à leur relation. Et elle va avoir des mots très très durs pour Valérie dans ses journaux. Et c'est aussi quelque chose qui lui sera reproché par la suite à Catherine Pozzi. Il y a même certains et certaines critiques qui l'accuseront d'être à la limite de la paranoïa, d'être jalouse de la femme de Valérie et donc de se venger de Valérie, enfin en l'accusant d'être un voleur, en l'accusant de plagiat, etc. Donc. Il semble quand même qu'il y ait un consensus sur le fait qu'il n'y ait pas eu un plagiat total, mais on peut se poser la question, justement, en lisant ce deuxième extrait là, de journal, si elle n'avait pas publié à Agnès, à quel point Valérie aurait republié un Agnès arrangé. Arrangé avec les guillemets, quoi. Et vous allez voir que quand on va lire un petit peu la manière dont Catherine Pozzi décrit l'amour, c'est encore plus triste dans un sens. Alors après, attention, hein, elle a beaucoup aimé Valérie, ils ont eu des moments apparemment de grande entente intellectuelle et de grande entente artistique aussi, mais ça reste quand même une composante non négligeable, il me semble, de leur relation, et puis ça participe énormément de la visibilisation quand même. Enfin, moi, en tout cas, et ça n'engage que moi et ce n'est que mon avis, en tout cas, ça ne peint pas un portrait très flatteur de Valérie et ça ne me donne pas, en fait, extrêmement envie de le lire, quoi. Voilà. Et ce que je trouve fou, ce que je trouve fou, c'est que ce soit quand même quelque chose de très peu connu. C'est-à-dire que c'est quand même là, Valérie, c'est un auteur qui est quand même très connu. Et là, Catherine Pozzi, c'est une autrice qui est quand même reconnue, en tout cas par le milieu littéraire, si vous me passez entre guillemets cette expression. Et on a un cas absolument génial, alors vous comprenez bien ce que j'entends par génial, hein, mais on a un cas absolument génial d'école sur l'invisibilisation des femmes, sur ce que fait le statut de muse, sur l'incapacité en fait de la plupart quand même des artistes masculins à respecter les femmes comme leurs égales
Et pourtant, c'est quelque chose, enfin, c'est une situation qui est peu connue, quelque chose dont on parle très peu et qui est peu étudié. Alors que moi, je trouve que c'est absolument génial parce qu'on a des preuves multiples, en fait, parce qu'il y a beaucoup de textes de Pozzi et beaucoup de textes de Valéry qui se répondent. On a la vision de Valéry dans les textes, dans ses journaux, dans les textes un peu plus intimes, et on voit comment il décrit Pozzi. Et le contraste que c'est avec les descriptions que Pozzi fait de Valérie, où elle est extrêmement et éperdument amoureuse. Et puis on a ces entrées de journaux qui sont absolument sans appel, en fait. Mais bon, que voulez-vous? Apparemment, ça n'est pas très intéressant. Je vous ai sélectionné un dernier extrait du journal, dans lequel cette fois-ci, elle parle de son premier mariage. De son seul mariage d'ailleurs, avec un homme qui écrivait des petites pièces de théâtre, avec qui elle a eu un enfant, son seul enfant, et un mariage qui fut un mariage malheureux, pour cause globalement incompatibilité sans doute de caractère, et puis apparemment cet homme était un petit peu volage. Voilà, pour bien continuer. Alors. J'ai pris froid à Baden-Baden. Pris froid parce que, en état de dépression physique extraordinaire, pour avoir pris un demi-gramme de quinine et causé une hémorragie volontaire ainsi, Édouard me défendant d'avoir un enfant. J'avais peur de lui. Je cédais. Une douleur au sommet du poumon et au-dessous du cœur, que je croyais du rhumatisme, fit son chemin dans mon petit squelette d'août à novembre. Je maigrissais, je pâlissais, tout m'excédait, tout me faisait mal, sauf travailler. Des parties de tennis pour amuser Édouard n'arrangèrent rien. Un séjour à Sénac glacé me laissa percluse et les nerfs en boule, car le grand, l'immense amour de mon mari qui me donnait de si parfaites lettres en Allemagne, pardon, j'ai écrit allemande, ne s'exprimait même plus par le bonsoir quotidien. Ô grand amour que seules les absences m'ont donné! Et la semaine de la Grolle, les quatre garçons, deux jolies femmes invitées, les chevaux, les grâces. De fumée, je devenais brouillard. Je ne suis pas sûre que si j'avais fondu subitement, Édouard l'aurait remarqué. Des heures à cheval, et tomber épuisée sur un lit, et se relever pour voir autour d'une table celui dont on est la petite fille. S'illuminer comme inondé d'un radieux et sentimental soleil, parce que Jeanne est à droite, May est à gauche, quand il n'y aurait qu'à les enlever pour retrouver toutes les plus décevantes humeurs. Enfin, un soir, se traîner à sa chambre avec 42 fièvres, se coucher, je ne sais comment, rester assise toute la nuit en crispant ses mains sur sa poitrine, la belle pleurésie. En bas, il joue au poker. Donc ça, c'est bien évidemment antérieur, comme, alors je ne sais pas si je l'ai précisé, mais son mariage avec donc Édouard était bien avant sa relation avec Valérie. Voilà. Donc personnellement, j'ai choisi ce passage-là parce que j'ai trouvé que là, on y voyait déjà plus une dimension littéraire, même dans l'écriture de diariste, donc c'est-à-dire de personne qui écrit un journal. D'instinct, j'ai jamais été attirée par Valéry. Je lui préfère même Voltaire. Académicien et plagiaire de femmes aussi. C'est vrai qu'ils ont pas mal de points communs. Ces extraits de Pozzi renforcent ma répulsion. Ouais. Ben, en fait, c'est vrai que quand on. Alors, moi, j'ai pas d'avis très tranché hein, sur Valéry. Voilà, c'est pas. Et certains textes que j'ai lus de Valéry étaient quand même de beaux textes. Il a des réflexions sur la poésie que je trouve intéressante aussi, mais c'est vrai que c'est pas comment dire. En tout cas, de ce que j'ai pu en lire en faisant des recherches et pas forcément en fait par des personnes fans de Catherine Pozzi et qui étaient là pour créer une sorte de duel entre les deux. C'est vrai que les descriptions, en tout cas de son caractère ou de sa personne, n'étaient pas les plus incroyables, quoi. Après, bon, on n'attend pas non plus des auteurs. Alors, en tout cas, je n'attends pas non plus des auteurs et des autrices que ce soit toujours des êtres
de bonté, n'est-ce pas? Et je suis pas là pour rendre un jugement moral non plus sur les auteurs et les autrices, mais c'est vrai que bon, y a certains traits qui sont quand même un petit peu décevants et puis qui donnent ou pas envie d'approfondir nos connaissances d'auteur ou d'autrice. En tout cas pour Valérie, c'est pas le cas quoi. Voilà. Alors, je sais pas si vous sentez quand même vous la progression entre guillemets. On sent quand même que les deux premières entrées là, les deux premiers extraits du journal sont vraiment plus dans cette dynamique de journal un petit peu dans l'urgence justement, sans doute en raison du sujet. Et puis ce troisième extrait par contre, qui pour le coup en fait est antérieur, c'est un extrait où on sent merci Polito d'Orsito. C'est un extrait où on sent la plume derrière quand même de Pozzi. Il y a des passages que moi je trouve quand même assez beaux. Quand elle dit « Une douleur au sommet du poumon et au-dessous du cœur que je croyais du rhumatisme fit son chemin dans mon petit squelette d'août à novembre. » Je serais en mal un petit peu de vous expliquer ce que je trouve si joli dans cette phrase. Peut-être un petit peu le contraste en fait entre la douleur qui est décrite, la condition physique de Catherine Pozzi et la délicatesse avec laquelle elle va l'écrire. Dans mon petit squelette, il y a quelque chose d'enfantin et de presque attendri et en même temps d'assez terrible en fait dans le fait de se décrire comme un petit squelette. Surtout quand on a vu aussi un petit peu la maigreur, entre guillemets, enfin, oui, la maigreur de Catherine Pozzi. Je vous ai dit qu'elle avait contracté la tuberculose en 1912, mais elle a toujours eu de l'asthme aussi, donc elle a toujours été un petit peu fragile. Voilà. Et puis d'août à novembre, un petit peu comme une saison, entre guillemets, de la douleur. Un autre passage que je trouve quand même assez, assez beau, c'est... De fumée, je devenais brouillard. Là, ça fait... Enfin, moi, en tout cas, ça me fait quand même penser à René Vivien. Je trouve qu'on dirait un petit peu de la poésie de Vivien. Sachant que Vivien et Catherine Pozzi ont vécu relativement à la même époque, sauf que Vivien a écrit avant Catherine Pozzi. Voilà. Ah, et d'ailleurs, une anecdote que je ne vous ai pas donnée, mais que je voulais vous donner parce que je l'ai apprise justement aussi en préparant ce live. Le père de Catherine Pozzi, qui était donc, je vous l'ai dit, un docteur reconnu, qui a fondé la gynécologie telle qu'on... Enfin, la gynécologie moderne, etc. C'était le modèle d'un des personnages de Proust, le modèle du docteur, là, dont j'ai oublié le nom. Voilà. Bref. Et bien évidemment, toujours cette description quand même du mariage et de l'union ratée, de l'union qui est vraiment extrêmement décevante et de la solitude en fait. Il y a quelque chose de... On sent là quand même que... Alors, cette dernière phrase, en bas, il joue au poker, c'est à la fois extrêmement... cohérent dans une écriture de journal, c'est-à-dire qu'on relate de manière extrêmement simple ce qui est en train de se produire. Effectivement, en général, dans un journal, on est là pour relater, pour notifier, pour inscrire, pour préserver un moment T. Alors, soit comment on se sent, notre état, etc., mais aussi ce qui se passe et ce qui se fait. Donc, il y a en apparence quelque chose d'absolument objectif et détaché. Je respecte les attendus les plus impersonnels d'un journal. Que se passe-t-il en bas? Il joue au poker. Mais derrière cette apparence d'impersonnalité, de détachement et de journalisme le plus factuel, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement personnel. Le « en bas, virgule », déjà, il y a une distanciation, bien évidemment, physique. En fait, il y a un éloignement qui est profondément concret, matériel, quoi. « Virgule », qui vient un petit peu poser l'emphase sur ce pronom personnel « il », qui exclut, en fait. « Il », mais pas « moi ». Moi, je suis seule dans ma chambre où je me suis traînée avec 42 fièvres. Je me suis couchée, je ne sais comment,
etc. Je pleure, je suis la belle pleurésie, je suis avec ma douleur au sommet du poumon. Et puis, il y a quand même un passage qui est assez horrible, hein. C'est le passage au début de cette entrée de journal. Ce qu'elle nous décrit, ce n'est ni plus ni moins, à moins que je ne l'ai mal compris, mais je ne crois pas. Un avortement. Un avortement auquel elle cède par peur d'Edouard. Alors ça, c'est pour le journal de Catherine Pozzi. C'était les passages les plus compréhensibles. Maintenant, on va passer à sa fiction, ou en tout cas à ses écrits littéraires. Il y a un superbe nuage dehors. J'arrête pas de regarder dehors, mais c'est parce que c'est vraiment très très beau. J'aimerais pouvoir vous le montrer, mais je ne peux pas. Et là, vous allez voir que ça se complique. C'est quand même beaucoup plus difficile. Alors, je vous ai sélectionné des extraits de Peau d'âme et je voulais qu'on regarde ensemble des extraits d'Agnès. Est-ce qu'on commence avec Agnès ou est-ce qu'on commence avec Peau d'âme? Je pense qu'on va peut-être rester avec Peau d'âme. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur ces extraits de journaux ou est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut passer à Peau d'âme? Oui, c'est sûr que c'est pas une partie de plaisir de lire ces passages-là. Puis il y a cette lucidité aussi, voilà, sur le fait que son. Il y a une ironie. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas précisé quand même, enfin que j'ai pas relevé, c'est l'ironie aussi dans. L'ironie et le côté un petit peu mordant de l'écriture de Pozzi, là, quand elle parle de son mari, hein, quand elle nous dit, il y a ces citations à l'intérieur du journal pour amuser Édouard qui est entre guillemets, il y a aussi la petite fille, on sent donc que lui l'appelle la petite fille, c'est effectivement quand même très amer et très ironique hein, sur le regard qu'elle porte sur son mari. Et puis là, bien évidemment, car le grand, virgule, l'immense amour, donc hyperbole totalement ironique, l'immense amour de mon mari, etc. C'est quand même une composante importante de son écriture, donc ouais, il faut que. J'aurais dû le mentionner. Alors, on va passer à ces textes plus poétiques et vous allez voir. Donc, on va sauter ça parce que c'est Agnès. Là, je ne sais pas pourquoi il y a une page blanche. Alors, on va y aller. Je vous ai sélectionné deux extraits de Peau d'âme, qui sont deux extraits qui sont déjà sélectionnés dans le recueil publié par Gallimard. On va y aller. Bon, par contre, je vous préviens, je trouve que c'est compliqué, donc ça va pas être l'analyse du siècle non plus, de mon côté, je veux dire. Mais on va essayer. Allez. Et alors, vous avez perçu le passé. Ce verbe et ce mot ne se sont jamais rencontrés. Devant vous était bien le jour qu'une date nommée, qui avait votre âge, était bien la treille et le bourdon, et au-dessus du silence plein de cendres ivres et dorées, était bien le plus haut nuage passant de Schumann. Mais ce terrestre quotidien, ce jour d'été, ce n'était rien. La magie ne venait pas de sa surface. Il contenait plus qu'il n'avait le jour de juillet. Ce n'était pas lui le nuage, pas lui la vigne, l'aile d'or, pas lui ses fleurs. Et il réveillait, rien de plus, d'octave en octave précédente, des autres cieux, des autres fleurs, des autres jours multicolores qui lui cédaient leurs couleurs. C'était eux qui vous faisaient signe à travers un cristal enchanté, eux qui teignaient tout. Je vois ce que j'ai déjà vu. Que vous était-il arrivé?
Vous trichiez, vous sortiez du jeu, vous surpreniez la vraie matière. Les univers engloutis recouvraient celui-ci. Vous considériez ce revêtement du passé sur toute chose, qui est transparent comme du verre, qui est inconnu, qui rend seulement, quand un cœur le touche, le son qui fait dire « présent » de la tête aux pieds. Sur un battement de votre cœur, les jours engloutis résonnaient. Votre cœur était le battant, les jours étaient inaccessibles, votre cœur frappait le présent et le passé vibrait. Battement de cœur à battement de cœur, vous faisiez trembler vos trésors. Es-tu là, univers? Oui, je me nomme hier. Quant à la loi de Weber, elle dit qu'une impression est plus intense si elle a été précédée d'impressions de son ordre, et moins intense si des impressions de son ordre sont simultanées. Sentir, plus sentir. L'on sent plus si l'on a senti. L'on sent ce que l'on a senti. Comment sentirait-on si l'on n'avait jamais senti? Sentirait-on? Alors, c'est le premier extrait. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, déjà, je suis un peu curieuse de savoir ce que vous en pensez, en fait, sans que je vienne à poser mon avis et un petit peu ma lecture dessus. Bon, là, au niveau du style, hein, on voit bien qu'on est, on n'est plus dans le journal. On est effectivement dans le travail vraiment d'écriture quand même. Et donc, je vous rappelle, ça, c'est un extrait donc, de Podam, qui est cet essai un petit peu inclassable, un essai qui d'ailleurs est inachevé. Ça, je crois que j'avais oublié de le dire, mais c'est un essai qui est inachevé. Que donc, Podzi, elle a publié, enfin, elle a voulu publier à titre posthume et qu'elle n'a pas pu finir. Ah, Zéa, c'est pas faux. Effectivement, ça rappelle la poésie de Gertrude Stein un peu. C'est pas faux. Alors, j'aime moins quand même, je trouve. Enfin, je pense. Gertrude. Comme si c'était mon ami. Je vais éternuer. Je suis désolée. Ok. Ça donne envie de se poser, ouais, et de bien l'analyser. Je suis d'accord, il y a énormément de choses à dire. On va essayer d'en dire un petit peu ce soir ensemble, mais je prétends pas du tout à l'exhaustivité. Alors déjà, le début. Et alors, vous avez perçu le passé. Ce verbe et ce mot ne se sont jamais rencontrés. Bon déjà, moi j'adore cette phrase. Vous avez perçu le passé. Jusque-là, rien de nous surprend, rien de nous choque vraiment en fait. Ça semble plutôt cohérent et intuitif. Merci Farid. Et puis finalement, cette petite phrase entre parenthèses, cette incise vraiment discrète, l'air de rien, qui est en fait le concept le plus important de la phrase. Ce verbe et ce mot ne se sont jamais rencontrés. Et c'est là qu'on revient, on en revient à repenser cette phrase qui, cette première phrase, en tout cas cette phrase précédente, qui lors de la première lecture ne nous avait pas, enfin en tout cas ne m'avait pas plus perturbé que ça. Je crois qu'il va falloir que je me mouche. Je vous pose 30 secondes. Je suis de retour. Et puis la suite. Devant vous était bien le jour, qu'une date nommée, qui avait votre âge, était bien la treille et le bourdon. Et au-dessus du silence plein de cendres ivres et dorées, était bien le plus haut le nuage, passant de Schumann. Mais, donc la description, rien de très... Mais ce terrestre quotidien, ce jour d'été, ce n'était rien. Là, c'est un petit peu la thèse avancée. La magie ne venait pas de sa surface, il contenait plus qu'il n'avait le jour de juillet. Il y a un ton presque... comment dire? Il y a presque un ton de conte. Alors bien évidemment déjà le titre Podam,
N'est-ce pas? C'est déjà une... Comment dire? C'est déjà une annonce. Choisir de nommer un essai qui se veut un essai vraiment à la limite de la philo et de la métaphysique, peau d'âme, c'est un petit peu subvertir les codes. C'est à la fois peau d'âme, quelque chose qui va nous aiguiller, nous indiquer qu'on va réfléchir à l'âme, à l'esprit, à l'identité, aux sentiments, aux perceptions, aux impressions, bref, tout ce qu'on peut un petit peu décliner autour de l'âme, peut-être à la religion, peut-être à la spiritualité, peut-être à la mort, peut-être, bref, beaucoup de choses autour du mot âme. Je pense que là, par exemple, sur le live, si on devait demander à chaque personne de donner trois mots qui viennent à l'esprit en entendant âme, il y aurait sans doute des mots qui se retrouvent, mais il y aurait aussi pas mal de pistes possibles. D'ailleurs, pourquoi pas le faire? Si, donc âme, si je vous demande les trois mots qui vous viennent à l'esprit en premier quand vous entendez âme, c'est quoi? D'ailleurs, je me pose la question pour moi aussi. Bon, moi, je ne peux pas trop répondre parce que vu que j'ai lu les textes tout la... Enfin, j'ai relu les textes cet après-midi et ça fait 3-4 jours que je relis des textes complémentaires pour un peu mieux comprendre les pensées de Pozzi, je peux pas trop répondre, quoi. Je suis trop pleine des mots des autres, là, pour vous proposer mes trois mots à moi. Souffle. Mort, être, sentiment. Ouais. Je pense que mort viendrait quand même aussi pour moi. Ou en tout cas... Ou peut-être... Ouais. Immortalité. Ouais, j'allais dire... Ou peut-être au contraire immortalité. Foi, mort, exaltation. Ouais. C'est pas faux. Enfin, c'est pas faux. Il n'y a pas de vrai ou de faux, mais je pense par rapport à moi. Sentiment. Profondeur. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes aussi pour qui ça n'évoque rien? J'imagine que quand on est extrêmement terre à terre et cartésien, l'âme, ça ne doit pas évoquer beaucoup. Spiritualité, éternité, rivière, brume, éphémère, corps, maison. En effet, essence. Pas de troisième. Souffle, femme, dame, l'infini. Corps, souffle, esprit. Ah, ça revient beaucoup le souffle, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Le corps, ouais. Aussi. Esprit éternel, oui. Ben ça, normalement, je pense que c'est un petit peu admis aussi quand même comme la, comme l'une des définitions de l'âme. Alors, en tout cas, déjà merci pour vos réponses. Mais donc, ce titre Peau d'âme, bien évidemment, indique les champs possibles de réflexion du texte qu'on s'apprête à lire, néant. Alors, ouais, ça, c'est un peu moins. Mais peau d'âme, bien évidemment, ça fait aussi penser à peau d'âne. C'est assez évident, quoi. C'est la première chose, je pense, qui nous vient à l'esprit quand on entend peau d'âme. Et d'ailleurs, je trouve que peau d'âme, il y a quelque chose d'assez surréaliste. Mais je trouve que l'écriture de Pozzi. Merci, Lal. Merci beaucoup. C'est très, très, très gentil. Merci. Je trouve que l'écriture de Pozzi a quelque chose de très. Enfin, de très, n'en exagérons rien. Je trouve que l'écriture de Pozzi a quelque chose de surréaliste par moment. Par contre, je n'ai rien trouvé. J'ai tapé Catherine Pozzi, surréalisme, surréaliste, André Breton. Bref, j'ai rien trouvé. Alors après, effectivement, il n'y a pas énormément d'articles critiques et d'analyses, etc., sur Catherine Pozzi. Donc peut-être que c'est un champ qui n'a pas encore été exploité. Mais en plus, elle a publié soit en même temps, soit, enfin, globalement en même temps, à quelques années près. Ben, Nadja est un peu postérieure, mais par exemple, les manifestes du surréalisme, le premier était déjà sorti. Lorsqu'elle a écrit, donc je sais pas, bref,
Je ne sais pas si c'est parce que c'est un champ d'étude qui n'a pas encore été abordé, ou si c'est parce que c'est juste moi qui suis à côté de la plaque et obsédée par le surréalisme. Mais bon, bref, en tout cas, je n'ai rien trouvé. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi quelque chose de surréaliste dans son écriture et même dans juste cette appellation Podam, pardon. Ouais, bon, bah, là, tu me rassures un peu. Mais c'est ça, Zéa. On entend le conte, en fait. Et comme je vous disais, il y a quelque chose de subversif un petit peu. Que de proposer un traité, un essai, un texte de philo sur lequel on a travaillé pendant des années, qu'apparemment Catherine Pozzi pensait être son texte le plus important, et de lui donner ce nom qui renvoie à quoi? Qui renvoie au conte, au merveilleux, au magique. Je vais éternuer encore. Bref, non, je vais éternuer, je vais pas éternuer, j'en sais rien. Donc, dans cet extrait qu'il y a là, je trouve qu'on sent quand même un petit vocabulaire du conte, en tout cas quelque chose du conte. Quand elle vient nous dire « Mais ce terrestre quotidien, ce jour d'été, ce n'était rien. La magie, déjà, elle utilise le mot magie. La magie ne venait pas de sa surface. Il contenait plus qu'il n'avait le jour de juillet. » Cette inversion-là, cette inversion et cette répétition du sujet, enfin là, en fin de phrase, je trouve que ça donne quelque chose de beaucoup plus littéraire, de beaucoup plus propre, proche par exemple de la forme du conte qu'un traité lambda ou auquel on s'attendrait. Donc ça, c'est la thèse un petit peu de départ. C'est-à-dire que ce jour d'été, ce jour merveilleux, là, on est là, on est bien, on est ensemble, et ce jour nous semble magique, mais en fait, ce n'est pas ce jour qui est magique. Ça, c'est donc ce que nous propose Catherine Pozzi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, ce jour nous semble magique? Ce n'était pas lui le nuage, elle continue. Pas lui la vigne, l'aile d'or, pas lui ses fleurs. Il réveillait, rien de plus, d'octave en octave précédente, des autres cieux, des autres fleurs, des autres jours multicolores qui lui cédaient leurs couleurs. Alors bien évidemment aussi les éléments énumérés renvoient quand même aussi au conte. Hein. On va dire que des jours multicolores, des fleurs, des cieux, des nuages, etc. Les fleurs, bref. C'est quand même quelque chose, ce sont en tout cas majoritairement des éléments qu'on peut retrouver dans le conte. C'était eux qui vous faisaient signe à travers un cristal enchanté. Alors là, cet adjectif, il est clairement évocateur aussi au niveau du conte. Hein. Eux qui teignaient tout, je vois ce que j'ai déjà vu. Deuxième formulation de la thèse de Catherine Pozzi, je vois ce que j'ai vu. Si ce jour me paraît être ce qu'il est, si magique, si touchant, si émouvant, ce n'est pas parce qu'il l'est vraiment. C'est parce qu'il me renvoie, moi, à quelque chose que j'ai déjà vu. Je pense que ça, c'est une expérience qu'on peut toutes et tous pas avoir eue parfois. C'est qu'on va être face à une journée en apparence ordinaire, donc ce quotidien justement dont elle nous parle, et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose dans ce nuage qui passe, il y a quelque chose dans ce rayon de soleil, pile à ce moment-là, ou dans la façon qu'a l'air de venir se déplacer juste à côté de nous, et on en est extrêmement ému sans pour autant que le souvenir soit très explicite et très claire. C'est-à-dire que là, en fait, si on devait comparer, pour en revenir à Proust, justement, en fait, c'est un petit peu une forme de... Alors, pas de philosophie de la mémoire, mais il y a un petit peu quand même quelque chose de ça. Et si on va vite, rapidement, on pourrait se dire, ah, mais c'est Proust, en fait. Sauf que c'est pas Proust. Proust, il y a la conscience de l'écho. C'est-à-dire que chez Proust, la Madeleine renvoie à cette autre Madeleine. Le bruit, par exemple des couverts, ou le bruit de renvoie à ce bruit sur la place, etc. On en a conscience. C'est vraiment un écho, un fil, entre guillemets, de souvenir à souvenir chez Proust. Tandis que chez Catherine Pozzi, ce n'est pas le cas. C'est pas ce nuage me fait penser à, je sais pas, au fait que je regardais les nuages quand j'étais petit avec ma grand-mère et que c'était beau. Non. C'est l'esprit, l'âme peut-être, et qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, c'est une autre question, mais c'est le fait que l'esprit ou l'âme, par le recours à une forme de sensualité
ou de sensualisme, qui est très proche en fait du sensualisme en tant que doctrine, hein, le sensualisme par exemple de Condillac, qui est que on a accès aux connaissances et au monde à travers nos sensations, nos impressions, et que c'est à travers ça qu'on, de manière peut-être contre-intuitive en tout cas, forme une forme de connaissance un peu objective du monde. C'est à travers ça, parce que notre âme est habituée, qu'on va percevoir la beauté de ce jour ou le côté magique de ce jour. Et elle va expliciter cette théorie-là, en tout cas, cette pensée-là dans la suite. Elle va nous dire... Oh, faut que je me remouche, c'est invivable, franchement, c'est insupportable. Que vous était-il arrivé? Vous trichiez, vous sortiez du jeu, vous surpreniez la vraie matière. Ah, en fait, à ce moment-là, ouais, c'est super beau, hein. Ça vaut la peine, en fait, de bien le relire et de s'appesantir un petit peu. À ce moment-là, on s'extrait un petit peu presque du rythme et du mouvement de la vie ordinaire. On sort du jeu, on triche. On surprend ici la vraie matière. Les univers engloutis recouvraient celui-ci. Vous considériez ce revêtement du passé sur toute chose, qui est transparent comme du verre, qui est inconnu, qui rend seulement, quand un cœur le touche, le son qui fait dire présent, de la tête aux pieds. Et donc là, elle vient un petit peu préciser aussi sa pensée, c'est que on ne se sent vraiment vivant et on ne se que dans ces moments-là. C'est ce qui fait qu'on se sent extrêmement vivant. En fait, c'est ce qui fait un petit peu résonner cet appel de la tête aux pieds, à l'entièreté de l'être. Sur un battement de votre cœur, les jours engloutis résonnaient. Votre cœur était le battant, les jours étaient inaccessibles. C'est là un petit peu qu'on voit aussi la différence avec Proust, quand même. Même si je ne voudrais pas non plus ultra simplifier le rapport de Proust à la mémoire, mais voilà. Votre cœur frappait le présent et le passé vibrait. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que ça, c'est juste magnifique. Votre cœur battait le présent et le passé vibrait. Je vais devoir me remoucher. Bon, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour se remoucher que après cette superbe phrase où je vais vous laisser 2 minutes pour la savourer pendant que je me mouche. On peut continuer. Battement de cœur à battement de cœur, vous faisiez trembler vos trésors. Donc, toutes ces sensations accumulées, toutes ces sensations passées, tous ces souvenirs auxquels on n'a pas accès, ce sont nos trésors. Alors là, je vous avoue que je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un peu le peu que je connais est déjà loin dans ma mémoire, même si c'est quelque chose que, enfin c'est un sujet en tout cas que j'aimerais vraiment approfondir et pour le coup c'est une lecture qu'il faut absolument que je fasse
Catherine Pozzi a beaucoup lu Bergson, et je pense que ça se ressent quand même dans ses réflexions-là. Es-tu là, univers? Oui, je me nomme hier. Et donc là, on comprend enfin cette petite interaction qui, à une première lecture rapide, n'a pas vraiment de sens, ou en tout cas, semble un petit peu énigmatique. Et là, on comprend davantage. L'univers, c'est hier. Hier, dans tout ce que c'est de sensations, d'impressions, de connaissances, de sentiments, de souvenirs, de visions, de ressentis. L'univers, c'est hier. Et c'est. Il y a quelque chose de. Enfin, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui me touche profondément là-dedans. Et ce qui est touchant en plus chez Catherine Pozzi, je trouve, c'est que c'est une réflexion très lumineuse, justement, sur hier, sur ce passé, etc. En fait, il y a presque une réécriture, j'ai envie de dire, de la mélancolie chez Pozzi, qui, parce qu'elle est beaucoup plus métaphysique et beaucoup plus douce, devient extrêmement lumineuse. Quant à la loi de Weber, Weber, moi Weber je pense, elle dit qu'une impression est plus intense si elle a été précédée d'impressions de son ordre et moins intense si des impressions de son ordre sont simultanées. Expliciter ce qu'on vient de dire de manière beaucoup plus scientifique et pragmatique. Sentir, plus sentir. Et là, je trouve qu'on touche à d'autres référence un peu moins peut-être claire, l'on sent plus si l'on a senti. L'on sent ce que l'on a senti. Elle nous réexplique en fait ce qu'elle nous énonce depuis tout à l'heure. Hein. Comment sentirait-on si l'on n'avait jamais senti? Sentirait-on? Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, moi ça m'avait pensé à quelque chose immédiatement. Est-ce qu'il y en a pour qui ça évoque peut-être... un très 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 court texte. Ou pas. Alors c'est le texte auquel je pense est dans un domaine tout à fait différent, hein. Une époque tout à fait différente, un domaine tout à fait différent et un objectif. Tout à fait différent, mais j'ai trouvé que dans la formulation, il y avait quand même quelque chose de semblable, et puis dans l'idée, en fait, quand même assez de causalité aussi. Même si, encore une fois, je répète, l'objectif n'a rien à voir, hein, pour le coup, avec le texte auquel je. Enfin, la référence que j'ai en tête, c'est beaucoup plus au niveau de la forme, peut-être, qu'autre chose. Par contre. Ça permet de rapprocher aussi Pozzi d'un autre auteur et en préparant ce live, j'ai écouté des archives audio justement sur Pozzi et il y a un intervenant dont j'ai oublié le nom. Par contre, je suis désolée, c'est pas très cool de ma part. Est-ce que je peux le retrouver? Ouh là là, vite parce que là pour ma connexion internet, ça doit être horrible, pauvre ordinateur. Pierre Boutan. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Parce qu'il faut rendre à Pierre ce qui est à Pierre. Alors, justement, Pierre Boutan fait référence, enfin cite un extrait des Pensées de Pascal. Vous savez comme j'aime Pascal. Donc ça a doublement fait écho et je vous ai noté la pensée, enfin l'extrait pour vous le partager. Donc ce n'est pas de moi, hein, c'est Pierre Boutan là qui fait le lien. Mais moi j'avais pensé en fait en lisant cette fin à La Rochefoucauld. Vous savez, La Rochefoucauld écrit, alors c'est pour ça que je vous disais que l'objectif était tout à fait différent, parce que pour La Rochefoucauld c'est dénoncer. D'accord, et c'est dans la veine moraliste, pour le coup, un petit peu à la Bruyère, un petit peu comme la Bruyère, pardon. Il dit combien de gens aimeraient s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Donc, bien évidemment, c'est tout à fait différent, étant donné que là, ce qu'il veut, La Rochefoucauld, c'est mettre en évidence la superficialité, la vanité, la vacuité, pardon, plutôt, des émotions
et des passions apparemment de certaines personnes qui en fait ne n'aiment que parce qu'on leur a parlé d'amour, etc. Qui ne le ressentiraient pas vraiment. Mais si on adoucit un petit peu et si on essaie d'extraire l'anecdote un petit peu mordante, moraliste pour aller au fond de la pensée, il y a quand même l'idée sous-jacente qui est que hier est nécessaire, crucial pour pouvoir sentir, ressentir, éprouver, comprendre aujourd'hui. Et que quand on n'a pas été éduqué à penser, à ressentir, à percevoir, comment pourrait-on le faire aujourd'hui? Et la pensée de Pascal que donc Pierre Boutang liait à Catherine Pozzi, c'est la suivante. Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? Est-ce la main? Est-ce le bras? Est-ce la chair? Est-ce le sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque chose d'immatériel. Et Catherine Pozzi et Pascal, mais c'est là que Catherine Pozzi dépasse un petit peu un matérialisme et un sensualisme un petit peu simple ou univoque. Il y a quelque chose d'assez immatériel dans l'écriture de Pozzi et dans les réflexions de Catherine Pozzi. Et on sent quand même l'influence de différents courants de pensée, de différentes philosophies qui viennent se rejoindre dans l'écriture et dans l'esprit, en fait, tout simplement, de Pozzi. Il y a un énorme héritage de la pensée antique. Catherine Pozzi, elle est très marquée par Platon. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est très marquée par Platon. Pardon. Elle est aussi très marquée par ce qu'on appelle la naturphilosophie, qui n'est pas trop traduisible et qui est une énorme composante du romantisme allemand, qui est un petit peu cette volonté de percer les secrets, entre guillemets, de la nature et de l'existence, mais pas du tout dans un délire scientifique qui veut asservir justement cette nature mystérieuse, hein. Quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus beau, je trouve. Et puis, alors ça, moi, je ne l'ai pas trop vu et je pourrais pas trop vous en dire, mais effectivement, dans le recueil, il parle aussi du fait que Catherine Pozzi s'est intéressée au bouddhisme, par exemple, et elle s'est aussi intéressée à la religion. Et donc, toutes ces influences-là mélangées viennent presque former un syncrétisme philosophique qui est extrêmement intéressant, en tout cas, l'outcome, j'allais dire, non, le résultat, la production est quand même très intéressante. Alors, on va passer au deuxième extrait de Peau d'âme, parce que je me rends compte qu'il est déjà 21h30. Et que je commence à fatiguer. Alors, vous allez voir, celui-ci, il est plus facile à comprendre, je pense. J'ai deux corps. Chair et sang et plaisir et peine. Chair et sang est un endormi, plaisir et peine est comme un cri, ils sont toujours inséparables. Chair et sang est un carbure d'hydrogène à très grosses molécules. Plaisir et peine est si ténu que Lucrèce en fit un poème. Tout le monde parle à chair et sang, je ne parle qu'à plaisir et peine. Chair et sang paraît persister, pardon, mais suit la seconde loi de thermodynamique et finit mal. Plaisir et pente paraît s'anéantir à la vitesse du cadran à seconde, et il a l'immortalité. Je quitterai chair et sang un jour, emmené par plaisir et peine. Mais vers où, vierge souveraine? Mais que faire pour me préserver des hasards de l'éternité? Alors, c'est un petit peu à ce texte que je pensais quand au début du live je vous parlais du côté regrettable des descriptions de Valéry qu'il fait de Pozzi, parce que il parle quand même beaucoup de chair et sang. Et tout le monde, en fait, elle le dit, parle beaucoup à et de chair et sang. Tandis que Catherine Pozzi, elle préférerait qu'on parle de plaisir et peine.
Alors, chez récent, c'est assez compréhensible. Chez récent, c'est ça. Voilà, ce qu'on peut palper comme ça, effectivement. Et puis, plaisir et peine, c'est moins palpable. Mais attention, c'est quand même un corps, parce qu'elle commence en disant j'ai deux corps. Donc, c'est pas une division binaire et extrêmement simple et arbitraire, entre guillemets, de l'esprit et du corps. C'est d'avoir deux corps, ou en tout cas deux modalités de corps, peut-être, deux expressions de corps, chair et sang, et plaisir et peine. Et plaisir et peine, c'est quand même la partie, peut-être, de l'âme et de l'esprit, mais l'âme et l'esprit qui sont dans le corps, par le corps, en tout cas pour la vie qu'on a ici sur Terre. Et elle aimerait donc qu'on s'adresse plus à plaisir et peine, qui est comme un cri. On le comprend assez facilement quand elle vient nous dire plaisir et peine paraît s'anéantir à la vitesse du cadran à seconde et il a l'immortalité. Pareil quand elle nous dit que chair et sang, c'est un carbure d'hydrogène à très grosses molécules. Voilà, on est dans bien le scientifique, c'est très explicite. Et elle nous parle de Lucrèce. Lucrèce en fit un poème. Alors, Lucrèce, il est connu pour Pof de la nature, De rerum natura, dans lequel il parle de beaucoup de choses. Et dans le livre 3 notamment, il parle de l'esprit et de l'âme. Et on peut lire: l'esprit et l'âme se tiennent étroitement unis et ne forment ensemble qu'une seule substance, mais ce qui est la tête et ce qui domine pour ainsi dire dans tout le corps, c'est ce conseil que nous appelons l'esprit et la pensée. Conseil au sens de groupe, quoi, unité. Et celui-ci a son siège fixé au milieu de la poitrine. C'est là en effet que tressautent l'effroi et la peur. C'est cette région que la joie fait palpiter doucement. C'est donc là que résident l'esprit et la pensée. Bon, Lucrèce, c'est quand même premier siècle avant notre ère, donc c'est daté d'une certaine façon. Mais voilà, c'est les réflexions quand même qui sont au centre de Peau d'âme de Catherine Pozzi. Et vous voyez à quel point c'est bercé de tout cet héritage antique, de toutes ces réflexions philosophiques et métaphysiques qu'on peut trouver dans la poésie. Ah, je vais y arriver ou pas? Dans la philosophie allemande, entre autres choses. Alors, je voulais finir avec deux extraits d'Agnès que j'ai trouvé extrêmement beaux. Et puis parce que je trouve que c'est un autre aspect de l'écriture de Catherine Pozzi. Alors, si jamais ça vous intéresse, Agnès, comme je vous l'ai dit, est disponible sur le site de la BNF gratuitement, vous pouvez le télécharger. Alors, attendez. Paf. Normalement, là, vous devriez voir Agnès. Oui, vous voyez Agnès. Donc souvenez-vous, Agnès, c'est cette nouvelle autobiographique, alors qui a été publiée un petit peu en urgence parce qu'apparemment Valérie était en train de la réécrire. Elle a été publiée premièrement anonymement. Il y a un article qui est paru dans Libération le je ne sais pas. Elle est où la date? Bon, je ne sais pas. Mais cette année. Pourquoi il n'y a pas la date? Bref, peu importe. Donc, Agnès, c'est une nouvelle qui a été publiée anonymement en 1927. Et donc, Libé, en fait, il y a un dossier publié le 6 septembre 2021. Merci. Il y a un article qui est assez intéressant que je mettrai sans doute en barre d'infos de cette vidéo, dans lequel il parle justement de cette nouvelle, de son contexte de publication et de Valérie et d'autres choses. Et ça commence par cette citation qui est une citation de Catherine Pozzi, qui est tirée d'un article qu'elle a écrit qui s'appelle Le problème de la beauté musicale et la science du mouvement intelligent. Elle l'a écrit notamment parce qu'elle était très proche de Marie-Jaël. Je ne sais pas si vous connaissez Marie-Jaël d'ailleurs, mais Marie-Jaël, c'est une compositrice
de musique classique, donc, qui est quand même très peu connue et dont Liszt oh. a dit, enfin lui a dit, si vos compositions portaient le nom d'un homme, elles seraient partout. Bref, et apparemment c'est une femme ultra intéressante qui a un petit peu révolutionné la musicologie. Je connais pas du tout la musique et la musicologie, donc je peux pas vous en parler davantage, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir Marie-Jaël. Et moi j'ai écouté plusieurs de ses compositions, notamment au piano, mais elle a aussi des petits concertos avec des violons, c'est très très beau. Un peu mystique, poésie proche, je pense, de Thérèse d'Avila. Nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps. Ouais. Oui, il y a de ça. Totalement. Mais c'est vrai que chez Pozzi, alors je suis totalement d'accord pour le mystique et je vois où tu veux en venir, mais si on, tu vois, si on était vraiment, enfin pour être vraiment précis, précise, je trouve que chez Pozzi, bizarrement, enfin en tout cas mystique, c'est pas l'adjectif qui me viendrait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Pozzi, elle échappe un petit peu au mystique. Alors j'ai rien contre le mystique, au contraire, hein, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose dans son écriture qui fait que, enfin, en tout cas, moi, je la décrirais pas comme mystique. Il y a quelque chose de très, je sais pas. Il y a quelque chose de très scientifique sans être scientifique dur. Un petit peu à la fois désincarné et à la fois très moléculaire aussi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de particulier dans son écriture qui se décale un petit peu d'un côté mystique. Bon, peut-être déjà aussi parce qu'il y a quand même moins, il y a quand même pas énormément de mentions de Dieu aussi, ça joue bien évidemment. Et donc, Catherine Pozzi, à propos de Marie-Jaël, écrit: c'est une femme. Ces trois mots la pèseront lourd, hélas, sur l'œuvre de Marie-Jaël. Ils seront cause longtemps que ceux qui pourraient la comprendre ne liront pas ses livres. Voilà. Bon. Je pense que c'est assez clair. Et donc, quand elle a publié Agnès, qui a été publiée premièrement dans la Nouvelle Revue Française, elle a été publiée uniquement avec ses initiales, CK, que vous voyez donc au-dessus du texte, normalement, si j'ai bien. Ouais, c'est bon, que vous voyez. Et donc, le texte de Catherine Pozzi est publié en 1927 après des textes de Rilke et avec des textes de Gide et de Proust. Voilà. Et tout le monde essaye de trouver apparemment qui se cache derrière ces cas et beaucoup de personnes pensent que c'est un homme. Allons savoir pourquoi. Bref. Et Anna de Noailles, elle, qui était donc proche de Catherine Pozzi, par contre, elle trouve que elle trouve tout de suite que c'est Catherine Pozzi, parce qu'elle reconnaît le portrait du père de Catherine Pozzi dans le texte. Alors, il y a juste quelques extraits que je voudrais regarder avec vous, parce que je les ai trouvés extrêmement beaux et intéressants aussi. Je tiens quand même à préciser que Agnès, donc je l'ai lu en entier, c'est très court, ça se lit très vite, c'est à la fois très intéressant et je pense à la fois peut-être pas pour tout le monde. Enfin, je vous conseillerais pas de lire Agnès si vous avez jamais lu Catherine Pozzi. Je pense que sa poésie est quand même beaucoup plus intéressante parce que là, la nouvelle, elle est. Si vous aimez le surréalisme, allez-y, ça pourra vous intéresser parce que je trouve qu'on y retrouve ces textes qui sont un petit peu inclassables, qui n'ont pas forcément de finalité, ni forcément de dénouement, qui sont assez modernes aussi dans l'écriture, assez légers, un petit peu transparents. Mais si on n'est pas ultra porté sur ce genre de texte, je pense que la nouvelle peut sembler un petit peu. Alors, j'ai pas envie de dire inintéressante, mais je pense que l'intérêt du texte peut nous échapper. Voilà, et ce n'est pas du tout une critique ni un problème en soi. Mais il y avait donc des passages que j'ai trouvés très beaux et que je voulais partager, enfin lire avec vous. Est-ce que. Alors. Je sais pas pourquoi on est revenu sur ça. Donc le début. Mon cher amour, mon amour au dur sourire. Je vous écris un peu trop tôt.
Il y a beaucoup de chances pour que ceci ne soit pas mis à la poste cette année, mon amour. Peut-être jamais. Je le garderai, jusqu'à ce que vous existiez. Je m'exprime mal. Vous devez exister. Vous avez 25 ou 30 ans à cet instant même. Seulement, je ne sais pas votre nom. La chiromancienne ne m'a pas dit votre nom. Elle m'a dit « Je le vois. Il a du génie. Il a l'air très jeune quand il rit. » Et puis elle a laissé retomber ma main, et moi je suis rentrée marchant sur des roses. Alors, déjà ce passage, je trouve qu'il est beau, pour commencer. Et puis, quand je vous parlais tout à l'heure de surréalisme, je trouve que là on est en plein dedans. C'est-à-dire que, alors Nadja n'est pas encore publiée. Nadja est publiée en 1928 et Agnès est publiée en 1927. Mais voilà, les surréalistes sont en fonction et en exercice depuis quand même un certain temps. Et les diseuses de Bonaventure, les voyantes, les lignes de la main, la rencontre incroyable de l'être aimé ou de l'être spécial, c'est quand même très surréaliste. Bref, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Pourquoi on revient toujours sur Catherine Pozzi? Je vais supprimer ça, ok. Alors, ensuite, je vous saute quelques passages parce que c'est pas ce que je voulais lire avec vous. Ça, cette page. Préparez-vous, moi j'ai trouvé que cette page était magnifique. Vous seul feriez de l'heure un moment extraordinaire et vous manquez. Donc on comprend hein, que concrètement, toute cette nouvelle, c'est en fait une adresse à ce cher amour au sourire dur. Vous seul feriez de l'heure un moment extraordinaire et vous manquez. L'heure irait jusqu'aux étoiles et jusqu'à l'extrême fond du cœur. Elle s'écoule et creuse dans l'espace une place infinie et passe et choie dans le passé. Ce paragraphe, magnifique. Qui est-ce qui les recueille, ces heures-là ? Qui n'ont servi à rien. Quelquefois je crois qu'il est à l'envers du monde, un endroit où elles sont conservées, où elles tombent comme de l'eau pure, où les morts les boivent pour être heureux. Bon, est-ce qu'on peut s'arrêter 30 secondes? Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est, enfin moi je trouve que c'est superbe. Moi, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Bon, moi j'adore. Je trouve que c'est ultra beau. En plus, je sais pas, je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a. Je crois que j'aime beaucoup cette idée du monde à l'envers ou de ce monde, alors le monde parallèle pour le dire assez vulgairement, mais dans beaucoup de passages que j'aime énormément en littérature, il y a cette idée-là. L'un des passages que j'aime... Oh ! Attendez, c'est où ça ? C'est Elsa Triolet, non ? L'un des passages que j'aime le plus en littérature, une des citations toutes simples que j'aime le plus, c'est dans un livre de Stephen King, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est une phrase toute simple, hein. C'est « L'univers se retourna comme un gant ». Je trouve que c'est magnifique. Bon, bien évidemment c'est totalement subjectif, hein. Mais moi je trouve que c'est absolument splendide. Et il me semble, oh je suis trop dégoûtée, pourquoi j'ai pas noté ça? Et il me semble que c'est chez Elsa Triolet qu'on retrouve quelque chose de semblable. Oh, vous voyez, maintenant, ça va m'obséder de ne pas être sûre de où c'est, ce truc. Et bref, j'aime aussi beaucoup dans l'éducation sentimentale, bien évidemment. Elle était le centre du monde vers lequel... Non, elle était le point lumineux, pardon, vers lequel le reste du monde convergeait. Bon, c'est un peu différent, c'est pas l'univers qui se retourne comme un gant, mais vous voyez, il y a cette idée d'une nouvelle organisation presque un petit peu... de l'univers, un petit peu une nouvelle organisation cosmique. Et c'est vraiment c'est un motif d'écriture qui n'est pas non plus un énorme motif. Hein. On serait en peine de trouver
Voilà, 10, 15 occurrences de ce motif facilement, quoi. C'est pas non plus la rencontre amoureuse, vous voyez. Mais c'est quand même quelque chose qui peut parfois affleurer et que moi je trouve absolument magique et magnifique. J'allais faire un nouveau mot. Et en fait, c'est profondément aussi surréaliste. Pour moi, c'est vraiment ça le surréalisme, c'est de percevoir le monde aussi différemment, et plus que de le percevoir différemment, c'est de percevoir l'autre monde derrière le monde, un petit peu. Plus, d'ailleurs, ce serait plus exact. Alors, juste, désolée, j'en profite pour réécrire parce que je suis plus sûre de où c'est cette citation et je vais la retrouver. J'espère que c'est chez Elsa Triolet. J'ai l'impression que j'en ai parlé dans un live ou quelque part. Et donc, je pense que c'est peut-être chez Elsa Triolet. Je suis plus sûre de moi, ça m'embête. Donc, ça, je voulais à tout prix le partager avec vous parce que je trouve que c'est magnifique. Qui est-ce qui les recueille ces heures-là qui n'ont servi à rien? Quelquefois, je crois qu'il est à l'envers du monde un endroit où elles sont conservées, où elles tombent comme de l'eau pure, où les morts les boivent pour être heureux. Le troisième paragraphe est beau aussi, mais quand même beaucoup moins beau. Je trouve que ça, c'est un petit peu l'apothéose. Tout cet amour qui n'est pris par personne, qui sait où il va? Ce serait rien que cette phrase, ça donne envie d'écrire. Je trouve que ce serait un bon sujet d'écriture. Mais moi, je vous force avant le temps, comprenez-vous, je vous ai. Quand l'heure viendra, quand je serai prête, avec la robe et le cœur, quand je dirai maintenant, maintenant, et que vous ne viendrez pas, comme tant d'autres fois où vous n'êtes pas venu, je ne laisserai pas ce que j'ai de meilleur se dissiper jusqu'à l'autre bord du monde. Ouais, c'est beau quand même, hein? C'est beau. C'est ça, l'autre côté du miroir, il y a vraiment ça. Mais c'est moi, bon, enfin bon, je trouve que c'est très 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 beau. Enfin, je sais pas si vous aussi vous avez l'impression quand même que y a des liens à faire avec le surréalisme. Enfin, je sais pas. Peut-être c'est moi qui suis trop. Et alors, il y a deux autres passages que je veux regarder avec vous. Et après, on se quittera. Donc, le passage que je veux regarder avec vous, c'est. Alors, c'est ce passage. Sachant que là, on va être quand même un peu moins. Enfin, on va sortir nos lunettes un peu critiques, vous allez voir. Cher, cher. Bon, déjà, cher, cher. Vous avez quelques années de plus que moi, probablement. Vous êtes déjà tout fait. En vous connaissant, j'apercevrai une personne parfaitement composée, dont beaucoup de volontés seront accomplies, dont beaucoup de curiosités seront instruites. Mais moi, je n'ai pas de forme solide encore. Ce matin, voici ce que je pense. J'ai une longueur de temps à vivre avant de vous voir. Ce temps m'énerve et me creuse un vide dans le cœur. Eh bien, je vais l'employer à me préparer pour vous. Je veux que vous trouviez toute la pensée comme toute la grâce du monde en moi. Bon, je précise que tout ce que je vais dire après sur ce passage-là, c'est pas du tout méprisant ni rien, parce que honnêtement, j'ai quasiment eu ces mots, mot pour mot. Voyez? Avant de me rendre au Japon un soir, bref. En ce sens, il vaut même mieux que je ne vous rencontre pas tout de suite. Il me manque beaucoup de choses. On va s'arrêter là et on va sauter. Ah non, on va s'arrêter là quand même. Donc là, vous voyez, on a un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette vision idéalisée, idéaliste, idéale de l'amour, et donc la déception d'autant plus dure quand on se rend compte que Paul Valéry n'est pas cet être si bon et si désintéressé. Donc, il y a ce côté extrêmement beau, je pense, qui peut être très touchant dans ce passage. En fait, il y a une dualité en moi, hein, vraiment, quand je lis ce passage, c'est que ça fait écho à beaucoup de choses. Je trouve que c'est beau, déjà aussi, et qu'il y a quand même une extrême. Il y a une beauté d'âme extrême à penser ça. Mais, je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à une lecture commune qu'on a faite ensemble il n'y a pas très très longtemps. Dites-moi si vous pensez à la même chose que moi ou pas du tout.
Exactement, Lorenzaccio, on est d'accord, le deuxième sexe. Notre chère Simone, dont on ne peut plus se passer une fois qu'on l'a lu. Donc Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe, dans le deuxième livre du deuxième sexe, pour celles et ceux que ça intéresse, dans la partie, dans le chapitre 12, qui est l'amoureuse. Simone de Beauvoir, en fait, elle parle de tout ça. Elle nous dit... Alors, elle nous dit que la femme veut, alors veut pas par, pas de manière innée, hein, mais veut dépasser son être vers un de ses êtres supérieurs, s'unir, se confondre avec le sujet souverain. Se confondre avec le sujet souverain. Vous allez voir ce que dit Catherine Pozzi dans le dernier extrait qu'on va regarder ensemble. Il n'y a pas pour elle d'autre issue que de se perdre corps et âme en celui qu'on lui désigne comme l'absolu, comme l'essentiel. L'amour devient pour elle une religion. Ensuite, elle nous dit aussi, normalement, elle recherche l'homme en qui s'affirme toute la supériorité. Un autre passage où elle nous dit, Irène Rewelyoti écrit, quand donc viendra-t-il celui qui saura me dominer? Et croyant l'avoir rencontré, elle ajoute, j'aime te sentir un homme et supérieur à moi. Bref. En gros, dans ce passage du deuxième sexe, enfin dans ce chapitre du deuxième sexe, Simone de Beauvoir explique à quel point il est commun pour les femmes de rechercher justement cet être qui est plus âgé, alors élément extrêmement concret et prosaïque, mais aussi cet être qui est déjà formé, qui est déjà parfait, qui nous est supérieur. Catherine Pozzi, elle dit une personne parfaitement composée, dont beaucoup de volontés seront accomplies, dont beaucoup de curiosités seront instruites, point virgule, mais moi, point virgule plus, conjonction de coordination qui viennent marquer une rupture. À la fois ici syntaxique, mais surtout une rupture logique, une opposition, mais moi, je n'ai pas de forme solide encore. Donc, en fait, y a vraiment deux façons de lire cet extrait de Catherine Pozzi. Il y a quelque chose qui est sa propre vision, effectivement, extrêmement... Alors, pas spirituel, mais extrêmement intellectualisé aussi de l'amour et de la rencontre amoureuse, et qui est tout à fait son droit, bien évidemment, mais on peut aussi poser en fait un regard beaucoup plus critique dessus et voir qu'il n'y a là aussi que l'expression d'un conditionnement tout à fait commun fait aux femmes sur leur vision de l'amour. Voilà. Et vous allez voir qu'elle va plus loin. Et tout à l'heure, je vous ai lu Simone de Beauvoir qui nous parlait de se confondre avec l'être aimé. Vous allez voir ce que propose Catherine Pozzi. Ici, regardez. Alors, voici comment je me bâtis. Et elle se divise en trois. Corps, âme et esprit. Donc, elle va donner plusieurs éléments qui viennent la définir, la décrire. On ne va pas s'appesantir dessus. C'est pas là le plus important. Et de manière, tout ce texte est en accès libre. Comparé avec l'état actuel, etc. Et puis après, je pourrais exposer en face une autre page avec vos corps, âme, esprit à vous. Je ne les connais pas. Si je les connais, puisqu'ils sont ce que je désire. Et qu'est-ce que je désire? L'être du tableau 1. Mais ce sera moi. Diable, 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 diable. Vous êtes en somme précisément ce que je veux que je sois. Et franchement, je ne veux pas faire de la psychanalyse de comptoir. Mais en fait, il y a vraiment une double lecture, c'est ça qui est horrible. Je trouve qu'il y a une lecture totalement, qu'on peut faire une lecture totalement intéressante et qui se tient et qui est belle aussi, qui est philosophique,
fic, en fait. Voilà ce qu'est l'amour pour Catherine Pozzi, et elle a tout à fait le droit de le penser, en fait. Et puis, je trouve que c'est pas du tout... Enfin, comme je vous le dis, pour moi, il y a quelque chose qui se tient, il y a quelque chose de pertinent. Mais il y a aussi une autre lecture, quand même, qui est beaucoup moins envolée, hein, on va dire. Beaucoup moins réjouissante. Tout vous va, le golf, le grec, la hardiesse, la douceur, la mathématique. Il n'y a que quelques danses à vous retirer. L'amour, ce serait donc de rencontrer à l'état séparé la perfection de moi-même. Quand les femmes parlent de leur idéal, est-ce de celui-ci? Intéressant, hein? Elle ne dit pas quand les personnes, quand les humains, quand les hommes, quand les femmes. Ce qui viendrait quand même peut-être plus accréditer la deuxième lecture. Quelle perplexité! Pour que vous me plaisiez, il faut que vous soyez moi. Un autre peut-il être moi? S'il n'est pas moi, tout est manqué. Et alors là, encore une fois, je ne sais pas si c'est moi qui délire, mais je trouve que dans cette phrase, s'il n'est pas moi, tout est manqué, il y a quelque chose de très surréaliste aussi. Ça fait penser à la citation de Breton qui est... Attendez, laissez-moi vous la retrouver. Qui est, je vais la retrouver. Qui est « Par un mot, tout est sauvé, par un mot, tout est perdu », André Breton. Je trouve que le côté extrêmement bref, expéditif presque de cette phrase, et le côté irréversible qui fait qu'un rien, s'il n'est pas moi, tout est manqué. Et ça, je ne sais pas, il y a quelque chose là aussi. Donc on pourrait hein, continuer de feuilleter cette nouvelle. Bon, et alors le surréalisme, j'arrête avec, après je vous jure, et on arrête tout. « Je joue toute ma vie sur vous ». Hasard, bon, le hasard c'est l'un des éléments fondateurs, principaux du surréalisme. Vraiment, le hasard c'est quelque chose d'extrêmement important si on veut comprendre et réfléchir au surréalisme. Et c'est quelque chose qui revient très 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 souvent chez Pozzi. D'ailleurs, souvenez-vous, dans l'un des autres textes, elle demande comment est-ce que je peux me préserver des hasards de l'éternité. Phrase qu'on pourrait d'ailleurs un petit peu modifier, et on pourrait aussi demander... Comment puis-je me préserver de l'éternité du hasard? Il y a quelque chose de... Il y a autre chose là aussi, je pense, à réfléchir. Voilà. Alors, on va se quitter. Et avant de se quitter totalement, je vais vous lire juste un dernier poème de Pozzi. Pour que vous puissiez aussi entendre sa poésie. On a fait quand même là un petit panorama de ses écrits. Et j'espère que ça vous aura donné envie de la lire. Et puis, que ça vous aura permis de la découvrir un petit peu. Farid, ouais. Non, mais oui, c'est vrai que s'il y a quelque... C'est... Eh oui, c'est comme ça, hein, que voulez-vous que je vous dise. Ah, il a le moi, je trouve aussi. Hein, mais bon, j'ai vraiment rien trouvé en ce sens sur Internet, donc je sais pas si... Je sais pas si voilà, c'est parce qu'elle est déjà peu étudiée, peu lue, peu connue, que le surréalisme n'est plus du tout en vogue et que donc c'est aussi un champ qui, d'études qui a... Je sais pas. Allez, on va se quitter avec un dernier poème. Alors... On va... finir avec le poème que Catherine Pozzi a voulu publier de son vivant, qui est donc Ave. Et puis après, on se quittera. J'en profite pour vous dire avant le poème et qu'on puisse se quitter en douceur, que si vous avez envie, vous pouvez laisser un commentaire une fois que le live sera terminé et que vous pouvez aussi laisser un petit pouce. Pour que la vidéo soit référencée. Allez, Ave. Très haut amour. S'il se peut que je meure sans avoir su d'où je vous possédais, en quel soleil était votre demeure, en quel passé votre temps, en quelle heure je vous aimais. Très haut amour qui passait la mémoire, feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour. En quel destin vous traciez mon histoire, en quel sommeil se voyait votre gloire, ô mon séjour. Quand je serai pour moi-même perdu et divisé à l'abîme infini,
infiniment quand je serai rompue, quand le présent dont je suis revêtue aura trahi, par l'univers, en mille corps brisés, de mille instants non rassemblés encore, de cendres aux cieux jusqu'au néant vané, vous referez pour une étrange année un seul trésor. Vous referez mon nom et mon image de mille corps emportés par le jour. Vive unité sans nom et sans visage. Cœur de l'esprit, au centre du mirage, très haut amour. Voilà. On va se quitter pour ce temps du live. Ce temps du texte, ce temps du live, non. Pour ce temps du texte, je vous souhaite une très bonne soirée ainsi qu'un très bon week-end. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Je remercie Hilal pour le don de 2 euros. Encore une fois, c'est très très gentil. Et puis, j'espère que je vous aurai peut-être donné envie de lire un petit peu Catherine Pozzi, de découvrir ses textes. Et je vous dis à très bientôt.